Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reviens avec mon art journal. J'avais envie de faire une page. J'ai reçu les photos de classe de ma petite fille. Et donc, j'ai photocopié sa couverture, là où il y avait les photos. Et donc, ce sont des instruments de musique. Et comme c'est bientôt la fête de la musique, il me semble, je ne suis pas sûre de la date, c'est pas le genre de choses que je suis. Mais voilà, donc j'ai fait une photocopie et je vais essayer de faire une page avec ceci. Voilà. Donc, on va ouvrir. Donc, j'ai préparé normalement. Je dis bien normalement. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, ce sont les carnets de chez Action. Je vous montre avec la petite pochette là en craft. Voilà, donc j'ai préparé, j'ai mis. Je vous montre. Oups. Du craft gommé blanc là. Pour éviter que ça transperce. Bon, ça n'empêche pas, hein, mais bon, ça évite de fragiliser trop la rainure en fait. Hein. Donc voilà, c'est du craft gommé blanc. Et j'ai repassé du gesso blanc dessus. Voilà. Donc normalement, c'est sec. Pas gagné, mais bon, c'est sec. On va mettre les petites feuilles pour éviter. Comme vous voyez, oui, bien sûr. Vous voyez ici, ça n'empêche pas, ça transperce. C'est pas du papier de très haute qualité, mais bon, pour le art journal, ça suffit bien. Est-ce que vous voyez tout? Je vais enlever mon verre. Allez. Donc, gesso blanc et protection de la rainure. La reliure, la rainure, n'importe quoi. Et donc, cette feuille, je ne vais pas la mettre en entière. Je vais en prendre des petits morceaux. Oui. Je vais prendre des petits morceaux. Au pire, si j'en ai pas assez, j'en sortirai une. Voilà, c'est plein de couleurs. Ça ne me ressemble pas trop. Mais c'est pas grave. On va tenter. Il faut tenter des choses dans la vie. Quand même. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de récupérer des instruments. Des notes de musique. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop! On va prendre la guitare. Un morceau de guitare. Là, c'est trop droit. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Hop, ça y est. Donc, guitare. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? En fait, on va prendre des morceaux qu'on va coller. On va pas trop faire attention. Parce que sinon, on n'a pas fini. Et la définition du art journal, c'est lâcher prise. Donc, lâchez tout. Allez. Donc on va. Voilà, je vais y aller comme ça. Hop, zaï. On ne réfléchit pas. Zouf.
On va faire ça. Du coup, j'ai plus un peu de sens, c'était. On s'en fiche. Là, c'est trop droit. J'aime pas du tout quand c'est droit. Voilà. Allez. On déchire. Toc, toc, toc. Je vais mettre ça là et un autre morceau. Comme ceci, ça me paraît pas mal du tout. Bon, alors on va coller ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? On va prendre la Liquitex gel ultra mat. C'est parti. Petit pinceau qui va bien. Allez, c'est parti. Donc je colle et après je ne sais pas du tout où je vais. Et alors, pas du tout. Oula, c'est quoi ce pinceau tout raide? Écoutez, on verra bien. Alors moi je prends cette colle, mais il y en a sûrement d'autres. Je ne sais pas, vous prenez quoi comme colle pour votre art journal? Dites-moi tout. Parce qu'en fait, j'aime pas le côté brillant. Du coup, j'ai que celle-ci en mat. Il y en a sûrement d'autres. Dites-le moi. Allez, on colle. On colle, on colle, on colle. Voilà. Ça permet de décompresser, c'est cool. Trop bien. Donc, comme je vous dis, je ne sais pas du tout où je vais. Ah, je vais à la maison. Oh, l'humour. N'importe quoi. Aïe aïe aïe. Bon, je sais pas si c'est bien passionnant de me voir coller. Donc je colle et je reviens. Voilà, j'ai collé. Et avec la colle, je vois que comme la photocopie, l'encre, la photocopie n'était pas trop sèche, ça déborde les couleurs. Mais moi, ça ne dérange pas. Voilà, ça fait un style. De toute façon, je vais venir patouiller derrière, donc ce n'est pas gênant. Voilà. Normalement, tout est sec ou presque. Enfin, tout est collé. Sec, non. Voilà, donc collé. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Mettre un peu un petit coup de Ingen, je pense, pour sécher, pour faire la suite. C'est parti.
tout, 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 tout. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? De musique ou pas? Alors, je vais faire quoi maintenant? Que vais-je faire? Est-ce que je passe un coup de vaisseau blanc pour que ça soit moins vif? Peut-être. On essaye. Un petit pinceau. Non, 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 non. Oups, je fais bouger, désolé. Alors. Voilà. Alors, ok. Peut-être sécher un petit peu. Je reviens. Alors, hop. Ensuite, on va prendre le brou de noix. Pour mettre un petit peu de marron. Ça y est, ok. Je sèche. Préparé. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Faire du tamponnage, je pense. Est-ce que je vais arriver à mettre ma colle? Oui. Alors, tamponnage, j'ai sorti ce petit tampon. Hop, on va prendre l'Estezone. Dessus. Hop, voilà. Allez, on va essayer de faire du tamponnage. Je prends pas de plaque, hein. Je prends comme ça à l'arrache.
Celui-là, c'est bon. On va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que j'ai rien préparé comme d'habitude. C'est pas grave. Je reviens. Je vais chercher un autre tampon. Voilà. Alors, je vais prendre un tampon de denim tampon. Pareil, hein, que je prends comme ça, je vais pas prendre la plaque. On s'amuse. Sur les doigts, Mimi. Donc ça, on nettoiera après. Ensuite, donc ça c'est bon. Toujours de denim tampon avec des chiffres. Là, par contre, je vais prendre la plaque. Ça va pas être pratique en long. Alors, dans notre bon sens, on s'en moque un petit peu. Allez, je me mets là. En tamponnage, je pense que c'est bon. Alors après, j'ai bien envie de jouer avec les crayons gel qu'on avait trouvé à Noz. Donc je vais prendre. Déjà essayer d'ouvrir. Hop, la petite valise. Alors, on va prendre la couleur noire. Je voudrais un turquoise. Turquoise est demandé. On va essayer celui-là. Et puis, celui-là. Et puis, celui-là. Alors, je vais essayer peut-être sur une feuille pour voir ce que ça donne. Bon, le marron, ça reste marron. Ok. Le vert. Vert canard. Et le noir, noir. Par déduction. Allez. Voilà, j'ai bien envie. Oula. Doucement, Mimi, doucement. T'énerve pas, c'est un tango. C'est un peu comme les. Comment ils s'appellent les crayons? Les gélatos. Tout à fait ça, et c'est génial. Voilà. Alors juste un petit côté. Faut en mettre beaucoup, hein, j'oublie. Mais non, ça fait pas cracra. J'aime bien.
Hop, un petit peu là. Essayer de mélanger les couleurs. Un petit peu là. On va prendre le turquoise. Le turquoise pour voir. Alors, on va mettre là un petit peu. En freestyle. Oups. Ça fait un peu trop net pour moi. Dites-moi. Ensuite, j'en ai collé partout sur mon stylo. Ouais, recommence. Hop. Voilà, on va essayer avec le vert canard. Bleu canard, vert canard. C'est comme on veut. Alors, c'est un peu net quand même, hein, mon histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ne voyez pas tout, bien sûr. Attendez, je vous bouge un peu. Voilà. Je vais mieux voir toutes les pages. Voilà. Alors, hop. Qu'est-ce qui manque? Il manque plein de choses, hein, je pense. Si on mettait un peu d'eau. Allez, on tente. On va jouer avec l'eau. Il manque quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Chercher un tampon dessus de light pour mettre de la musique. Hop. Allez. Toujours avec la Stazen, hein. Quand on met plein de matière, c'est mieux. Allez. En freestyle. Mmh.
léger, léger. C'est parti. Je suis bigleuse ou je vois rien? Quand même. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Bonne question. Alors, avec le marron. On fait tout autour. Ouais. En tout cas, ces feutres là, feutres gel, ils sont géniaux à travailler. Ça vaut largement, enfin largement. Bon, c'est pas la même qualité, mais ils sont très très bien hein, par rapport au gelato. Si vous les avez, n'hésitez pas de les utiliser. Bon. Ça me paraît pas mal. On va y mettre. Alors, hop, nous sommes le. Bonne question. Nous sommes le combien? Regardez sur le portable. Alors, nous sommes le 10. Donc, hop. Le 10. 2022. Voilà. Ça c'est fait. Parce que sinon, je ne me souviens plus quand est-ce que je fais mes pages. Peut-être un petit mot quand même. Oui. Maintenant que je l'ai dit mot. On va faire ça. Allez. On va tester la 10 mots. Première fois. Allez, on va faire ça ensemble. Bon, je suppose que vous savez le fonctionnement quand même. Allez. On va écrire musique. Musique. Est-ce que ça a fonctionné? Je ne suis pas sûre. Ah. Je suis pas sûre. Et tout le monde sait s'en servir, ça va être sauf moi. Musique. Hmm.
Ça ressemble à tout sauf à musique, on ne pas dire. Comment on fait pour faire les espaces? Ouais, bah c'est tout sauf musique. On recommence. Mais oui. M. U. S. J'avais pas appuyé assez fort. I. U. Et E. Yes. J'ai réussi l'exploit du jour. Un petit ciseau, s'il vous plaît, et demandez. Avec quoi je vais coller ça? J'ai des mains dégoûtantes. Avec quoi colle-t-on? Musique tout seul, ça va faire bizarre. Marqué fête de la musique. Faites. Voilà. Par contre, je sais pas avec quoi je vais coller ça. Du plastique. Du glossy accent peut-être. Hey, il manque deux, il manque là. Faites deux musiques. Non, ça va pas du tout. On va mettre L quand même. Là. Michel qui s'amuse. C'est bon ou pas? Mais quel cruche, c'est autocollant. Bon, on ne rigole pas, c'est bon. Comment ça suffit? Ah oui, mais comment tu décolles ça maintenant? Bon, j'essaye de trouver, je vous reviens. Bon, ça colle pas très bien quand même avec toute la patouche que j'ai mis en dessous. Mais voilà. Ma page. Hop, ça, je mets ça là. Hop, ça colle pas très bien. Hein. On va mettre du glossy. Petit peu de glossy. Hop, plus de sécurité. Celui-là il colle et celui-là aussi. C'est bon. Voilà, fête de la musique. Bon, page faite le 10 juin 2022. Voilà, je vous montre un peu de plus près. Vous me direz ce que vous en pensez. Oups, je vous fais bouger, comme d'hab. Donc voilà. Une page de fête. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!